bagay ki dépasser entendement nous. Et ça, c'est important pour examiner minutieusement la parole. Mdoudou, ou doit parler la parole. Ou dit, l'on faux prophète sort quand elle sortit l'abdi, démagogie. Ou connaît cette démagogie l'abdi. Pabli, monsieur, ça yon pas qu'à prêcher l'évangile Christ là. Yon pas qu'à prêcher le fondement des apôtres. Yon pas capable parce que yon pas relé pour prêcher message ça. Yon bien peut prêcher fatra, prêcher poubelle, prêcher toute vieille démagogie qui existait dans le monde, toute vieille pernicieuse, vieille abomination du monde. C'est démagogie ça pour prêcher parce que nek sa yon, yon travail pour mener moun en enfer. M'te dit ou que, j'en que Christ place moun pour préparer, pour enseigner moun palio pour mener au verli, de même que pour la GN, gon paquet serviteur de la GN qui travaille pour mener moun dans la GN. Et pour cela, yon de obligé de prêcher démagogie pour yon capable de traîner moun sa yon en fait. Pour yon ton jugement pour yon dans la GN. N'a plus du verset 1 au verset 8 pour comprendre que faux prophète ça qui est le Kenny Doville là. C'est quelle démagogie a c'est la prochaine de toute façon, c'est pas mon bon dirilé. Même beaucoup de gens mon prophète pour le camper parce que tout a parlé. Le prophète, c'est où vous pouvez parler les mots du bon message. Et moi, j'ai un ami, il est traditionnel, moi, démagogie ça. Les gars, le prophète, il campe, il prend micro, il commence à parler, il fait tout toujours, il n'a pas l'empile, il fait bruit, pas l'empile, et puis il a le tête du prophète. Tout le tête, qui est le prophète, qui prophète sous bail, qui sort annoncé pour arriver, ou prophète, prophète, qui bon. C'est qu'on y a mon prophète sans que mon n'a pas gon bagay qui certifie qu'elle c'est prophète vrai. Le nèg la débarqué sous le doux prophète, comment le fait prophète? Comment le fait prophète? Ouais. Gros monte sa yota al kote et sataniste qui rele tout se lova tabay ou kèk prophétie démoniaque qui prend balan mais il tabay ou monsieur yota ta crédibilise tête yo. Mais quand la gueule, si je pas un prophète, je pas un prophète, il a tout seul, je ne pas un prophète en tant que sataniste. Et je cher ça, il était un prophète. C'est lorsque l'église a pour micro, il fait n'importe deux et trois ans à parler en pile. Si prophète, s'il va dans parler en pile, il n'y a pas de prophétie. Ou prophète, ou pas de prophétie, cherchons côté, chita. C'est un prophète prend la parole lorsque il y a un message de Dieu là-bas. Lorsque Dieu dit, dis prête moi pour moi. Tel mois, telle année, tel jour, tel moment, tel est, de tel bagage qui va le passer. La prophète, la campagne prend la parole, il va mettre sa prière sur le côté de l'école. Ou nous avons un paquet de bambouchet qui dit le prophète, tu es, mais qui va le prophète là? Ou nous avons un prophète, c'est le prophète qui a enseigné. Le prophète là, c'est enseigné et enseigné, l'enseigné. Il n'y a pas un message d'hypothé, dit un message direct, il vient de nous. À nous, l'inan. Nous lit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Comprends bien. Tendez bien, gardez texte là, examinez-le, parce que ça nous fonctionne. Nous ne pensons pas à des zombies, nous pensons à des gens qui ont calé, qui portent l'esprit Christ. Qui ont des capacités pour garder le texte et pour comprendre. Il dit Josué, lève-toi. C'est juste parce qu'après la mort de Moïse, le peuple a été bloqué. Parce que pour le peuple avancer, il faut le bon leader. Oh, Dieu, pourquoi choisir les gens qui vont continuer à mener le peuple? Ça dit, le peuple n'a pas reconnu qui est-ce que Dieu choisit. On a lorsque le peuple a parlé connaître Josué, Dieu choisit, on a Dieu pour dire Josué maintenant, c'est vous-même qui pourrez remplacer ce serviteur maintenant, levez pour traverser Judée avec le peuple-là. Et ce peuple, et tout ce peuple-là, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je foulerai la plante de votre pied. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tenez bien, oui. Là, Seigneur adressé à Josué en tant que leader qui a mené le peuple Israël. Et message ça,
qui adressait à Josué pour bénédiction au peuple Israël. Dieu te bail même message à Moïse. Et nous allons regarder pour nous dans le texte là. Quatre physiques texte là et spirituel texte là. Et ensuite, nous allons prendre ça pour nous. En avance plus bas. Le verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Bah, bon, avec bon, chez ça, nous. Les États-Unis, c'est bon Dieu, bon, comme territoire. Entrez sous terre, mon Dieu, allez dans le pays, mon Dieu, allez bon, chez dit bon Dieu, bon, pour territoire, entendez? Je connais qui territoire Chanel, bon Dieu, bon, sous terre. Parce que pendant ce temps, c'est passage, c'est passé, n'a passé pour me connaître qui ça, bon Dieu, bon, sous terre. Est-ce que bon Dieu t'es venu? Est-ce que Jésus qui a une bénédiction Chanel, li baye mon? Alpre magay ke yo te prononce pou Israel de manye fizik, ou pral pou, epi pou pache volo ak fe moun, fe magouye, ven vie brasle, mette vie verse biblik, mette mou sou verse biblik, ven mouchwa, ven tout priye, ven tout sak ge apwa le, di bon diye dou kon sa, tout sak sou la te se pou ou, la te lo e la jan et a moi, donc kwa di, mache volo ak fe moun, epi di se la biblik ki te di sa, tane? Pour comprendre qui ça y est physiquement, qui bénédiction physique Jésus qui était pour mettre monde. Est-ce qu'il était pour nous? Il va pour mettre rien sous la terre. La bonne possibilité pour vivre. Tenez oui. Il dit tout territoire. Depuis des heures. Liban. Grand fleuve là. Fleuve de Fat là. Il était tiré. Jusqu'à ce qu'on y ait côté soleil à coucher. Hein? Tout ça, yo. Pour nous, de mettre pieds nous sur yo. Aïe, si vous voulez mettre pieds sur yo, parce que bon Dieu, bon lit. Parce que pour y mettre pieds sur terre, ça, yo, faut craser ennemi qui sur yo. Faut déloger moun qui sur yo. Ça, c'est bagay littéral que Dieu a transmet by Josué. Bagay qui peut passer littéral. Bagay qui pourrait passer littéralement, Dieu a transmis par Josué. En desalpiba, verset 5. Qui ça le dit? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point, Josué. On a descendu en avant. Qui ça le dit, Josué? Fortifie-toi. Et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner, littéralement. Littéralement. Ça, Texa, littéralement promesse la fête. En descend plus bas. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Pourquoi? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Qui sale pas l'entreprendre? C'est que tout ce qui est en face de soi, ou prend l'entrepreneuriat pour le peuple là, pour le vivre. Mais pour arriver à faire exploit ça, Josué, faut qu'on soit capable d'agir selon la loi que Moïse là.
faut appliquer la loi ça pour réussir exploit ça. Maintenant question à Frenzo, c'est qui ça l'église de devant li pral entreprendre et qui loi de devant pour l'appliquer pour capable river gagner ça que Christ met devant pour Daniel. Israël te ge Canaan devant pour te travail pour river prend en possession l'église de la vie éternelle, l'enlèvement le royaume des cieux, hein? La nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem pour le prendre en possession. Maintenant, Israël te ge Canaan, l'église de la nouvelle Jérusalem pour entrer prendre comme possession. Maintenant, la Jérusalem, hein? La nouvelle Jérusalem, des lois qui établissent pour apprendre comment pour entreprendre la nouvelle Jérusalem. Des lois qui écrit qu'on doit appliquer, observer, hein, spirituellement pour nous arriver à entrer dans la nouvelle Jérusalem. Tout comme Israël, t'a gagné la loi Moïse pour t'appliquer pour l'entrée dans Canaan. Maintenant, faut arriver à faire différence entre des bagages ça. Israël pour le Canaan, il y a la loi de Moïse. Moi même pour dans la nouvelle Jérusalem, loi m'gay. Et c'est ça bamboché à Paris, vous comprenez? M'a prédit ça me dit encore. Israël pour l'entrée Canaan, il y a une loi pour l'appliquer. Il pas qu'à entrer Canaan sans la loi. Il pas qu'à entrer Canaan sans l'application de la loi de Moïse. Moi-même, je suis dans la nouvelle Jérusalem. Je ne peux pas entrer dans la nouvelle Jérusalem sans la loi. Vous parlez comme ça? Pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, j'ai besoin de loi, oui. J'ai besoin de la loi. Mais donc, quelle loi j'ai pour entrer dans la nouvelle Jérusalem? Si Josué a la loi de Moïse pour entrer à Canaan, il loi nous gagne pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Ça nous clé, nous parle clé sous ça. Faut prophète, faut faire mes bouchons même, oui, faut faire mes bouchons. Faut faire mes bouchons. Vous comprenez moi? Faut faire mes bouchons. Vous comprenez moi? Faut faire mes bouchons. En aller, nous gon petit parcours nous va le faire. Regardez texte ça, nous gon petit parcours nous va le faire, notez ça yo, nous gon petit parcours nous va le faire. On va dire que ça nous est, nous pas capable faire petit parcours, faut faire petit parcours pour examiner la parole convenablement, pour capable bien ouais côté nous est, côté nous garde. OK? Et puis pour l'évangile capable n'a point de bouche, pour l'évangile capable soit dans main, pour l'évangile capable dans main. Et pour capable river réfuter parce que texte a déjà dit dans titre premier verset 9 là, il dit pour capable refuter les contradictoires, hein, attaché à la hein à hein qui ça dit attaché, hein, moi elle dit ça oui, m'a pris ça en passant oui pour capable entrer côté m'braler là. Parce que son côté m'bralé pour capable comprendre et les nous faux prophètes ça parle en pile pour capable refermer bouche monsieur ça yo m'a dit à chaque côté au dormi parce qu'on paquet chien plein nuit chien et quand dit chien qui saoulé chien insatiable même j'ai pour faire des aïe dit là dans Isaïe 56 là pour que nous dit al dormi n'a ba on vieux pour au cal dormi parce que c'est grand goût au grand goût même petite première verset 9 là dit attention à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Capable d'exhorter selon la saine doctrine, hein, et de réfuter les contradicteurs. Il y en a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discours et de séducteurs. Il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il y a enseigné pour crasse manger, pour soda, bagaille que yo pas ta doué enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, et là, dans nous, là, oui, dans même époque, là, là, oui, a dit, crétois, toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crétois, toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. Qui ça, l'évangile dit, fermez bouche. On a dans le petit parcours nous non nous go petit parcours parler nous faire ça pour nous faire entrer pour entrer pour nous montrer pourquoi on a corrigé faux prophète il est Kenny Dovilis là bambocher ça et franchement si monsieur était gain bon sens si était gain nez il pas jamais parler de l'évangile encore camper camper dans figue monde pour parler de l'évangile en aller
Qui ça nous va parler? Nous dans Galates le chapitre 5. Galates le chapitre 5. Bon, oui, mais dans verset 8 là, nous, dans verset 7 là, toujours, dans José 1er. Nous campons là, les devons nous regarder. Galates 1er, parce que là, c'est par qu'on a fait pour nous capable réunir tout texte pour nous capable comprendre. OK? Israël, t'as pas entré en Canaran, tu as besoin de la loi. Nous-mêmes, n'a pas entré dans la Nouvelle Jérusalem. Nous besoin de la loi aussi. Faut changer point ça. Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Ouais, verset 23, mettez l'accent sur lui. Parce que lui concerne les sujets nous traité. Sujet nous là dans l'homme. Le désaspect de l'homme. Il a l'orgue Ismaël et Isaac, son figure spirituelle de l'homme animal et l'homme spirituel. Est-ce que vous comprenez ça là? Vous avez dit? Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. C'est-à-dire celui de l'esclave était l'homme animal. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'est-à-dire c'est l'homme spirituel, l'homme de la promesse. L'homme de la chair et l'homme de la promesse. L'homme spirituel et l'homme animal. L'homme spirituel, c'est l'homme de la femme libre. L'homme animal, c'est l'homme de la femme esclave. Youn vit selon la chair, l'autre la vie selon l'esprit. Vous avez regardé verset 24 là pour elle. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. C'est-à-dire, femme esclave là, gon alliance pour lui. Femme libre là, gon l'autre alliance. Chaque alliance ça yo, yo gen yon loi qui détermine yo. Femme libre là, besoin la loi. C'est la loi de la liberté. Femme esclave là, besoin loi. C'est la loi du péché et de la mort. Romains 8, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie, c'est pour l'homme de la promesse. La loi de la mort et du péché, c'est pour l'homme de, c'est pour l'homme de l'esclave, l'homme de la femme esclave, l'homme de la chair, l'homme animal. Tendez bien, bon, me répétez pour ne pas comprendre bien, ou pas comprendre, bon, me retourner. Ou pas bien comprendre ça me dit. M'a pas bien comprendre non. Tendez bien, gardez bien dans Bibois. Gardez bien dans Bibois. M'a toujours dans verset 23, oui. M'a toujours là. M'a toujours dans verset 23, oui. M'a descendu dans verset 24, m'a parlé de deux alliances. Deux alliances. Deux femmes. Chaque femme, ça a une alliance. L'homme dit alliance, ça m'a parlé de bague, non. M'a parlé de loi. M'a parlé de ordonnance. Femme libre, il est obligé de loi. Femme esclave, de loi, pas du tout. Ça dit qu'on loi qui est établie pour femme esclave, qu'on loi qui est établie pour femme libre. Deux hommes, deux femmes, de l'église, de peuple, de l'évangile, de fondement, de Christ, de royaume, de vie. La mort physique, la mort spirituelle. Maintenant, ça qui me besoin comprendre. Si vous ne faites pas arriver, comprendre, Josué 1er, le verset 8. Il prend texte là, il m'aspine verset là pour lui vider la sac. Il compte à mon abdi, oui, amen. Il compte à pour lui, son baïs, il a dit pour lui, c'est l'évangile la prêche. C'est de... Alors, on a verset 24, Galates, chapitre 4, Galates 4, 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Le du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Aga, car Aga, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère.
Gardez le texte, ça, mes amis, pendant ma parler, je ne pas vous nous distraire. Hein? Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère de Jérusalem. Il y a une Jérusalem physique, il y a une spirituelle. Et Jérusalem physique, là, qui est en bas servitude actuellement, il correspond avec Aga, la femme esclave, la mère d'Ismaël. Pourtant, la Jérusalem céleste, il correspond à Sarah, la femme libre. La Jérusalem, hein? Jérusalem qui est spirituelle là. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Il va m'en dire non. Et oui, regardez, oui. Il y a un pile, oui. Hey! Où est-ce que c'est ça? Où est-ce que c'est 27 là? Regardez le jour, regardez vous. Regardez les Arabes, regardez les musulmans, regardez vous. Il y a plus que juifs. Regardez là, il y a quand les jeux campent la manifestation dans tout coin. Ou pas, le monde entier, il y a plus. Si tout a dit boubou, si elle va casser pour terre, si Dieu pas rentrer dans la bataille là tout. Elle dit, verset a exactement dit la même. Ouais, ça le dit? Car les enfants de la délaissée seront plus nombreuses que les enfants de celles qui étaient mariées. Ouais, il y a tout contre lui. Bon, et pas si jamais, bon, pour ne pas quitter ce côté mia. Pour vous, frère, Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Verset 28. Et de même parlant, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon. Tellement aimé verset 29 là. Selon l'esprit. Verset 23 et 29 que mes versets sont forts. Selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. C'est normal. Verset 29 là, après, lis verset 29 là, pour t'en dire. Alors, celui qui était né selon la chair, c'est-à-dire Ismaël, persécutait celui qui était né selon l'esprit, c'est-à-dire Isaac, ainsi en est-il encore maintenant. C'est-à-dire, homme charnel là, homme animal là, l'a toujours persécuté, homme spirituel là. L'église Christ là a toujours persécuté par fausse église là. Faux serviteur a toujours persécuté vrai serviteur. Fausse servante là a toujours persécuté vrai servante là. C'est-à-dire qui ça? Loi de la mort, la bataille s'agit la loi de l'esprit de vie. Et c'est comme ça lié qu'on y a, oui. Mais, verset 26, la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Moi, t'ai dit tout à l'heure pour me dire là, nous gagnons, peuple Israël a gagné pour l'entrée dans la nouvelle en Canaan. Et pour te entrer au Canaan, il était besoin de loi. Bon, je retourne dans Josué avant, on va monter dans l'autre texte. Regardez Josué pour eux. Qui ça le dit dans Josué, le verset 7 là, ma prélie, verset 7 là, regardez le devant, regardez dans l'écran. Fortifie-toi seulement et bon courage. Regardez, oui, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Mettez dans le tête. À l'époque, pour qu'on ait Nouveau Testament. Est-ce qu'elle a suivi moi? À l'époque, pour qu'on ait le Nouveau Testament. Hein? Les Pentateuques, la loi de Moïse. Mon serviteur. C'est-à-dire, ils ont l'intention de pratiquer toute la loi de Moïse. Vous avez bon ça. S'il met, je fais succès. C'est pour prendre toute la loi de Moïse pour le pratiquer, pour le capable de faire succès physique. Il va tomber dans la circoncision, sacrifice, bête. Sont ouais tu fait selon la loi un pour un dent pour dent couiller mon sacrifier mon couler sang bref sans bête vider sans bête asperger avec sans bête faut faire tout ça yo pour le capable de fidèlement selon toute la loi de Moïse. C'est-à-dire, Bambocha ça a besoin d'agir selon toute la loi de Moïse pour le capable arriver réussi j'en dis physiquement.
Ou pas Seigneur, condition, regardez pour qui condition le bail. Qui condition le bail? En agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, ta prescrite, n'étant de tout, ni à droite, ni à gauche. Pour qui ça? Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Qui ça va te prendre? Verset 6 a déjà dit. C'est qu'il parle entreprendre. Qui ça? On série territoire. Littéralement. Il n'y a pas de territoire pour l'entreprendre. Pour le capable d'arriver à entrer, conquérir territoire, ça y est. Faut que l'y agit fidèlement selon toute la loi Moïse. Là. Et depuis l'arrivée, mais pour pied sous territoire, ça y est, physiquement, littéralement, tout territoire, ça y est. Qu'on y a nous-mêmes qui territoire nous gagne pour entreprendre. Qui territoire nous gagne? Qui territoire nous gagne pour entreprendre? Et qui loi nous gagne pour nous appliquer fidèlement pour entreprendre territoire ça? Et là, ou besoin de mettre accent bien là, ici, là. Josué avec peuple là doit entreprendre ce territoire. Dieu dit pour capable arriver entreprendre, il faut ou capable agir fidèlement. Selon qui ça? Selon toute la loi de Moïse. Maintenant, nous-mêmes, pour notre propre territoire, pour nous en tant qu'Église, qui j'en nous doit agir? C'est ça que nous besoin qu'on est. Qui j'en nous doit agir? Faut nous agir fidèlement, comment pour nous agir même? Selon qui ça lit là? Est-ce que c'est même loi ça? Toute la loi de Moïse a nous besoin pour entreprendre territoire par nous, que nous gagnons pour notre propre, ou bien nous besoin l'autre loi? En nous garde le texte, nous avons Jean 1er, le verset 17. Jean 1er, 17. En nous garde le texte. Jean 1er, verset 17, mes amis. Jean 1er, 17. Mes amis, suivez-moi, 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 mes amis. Focus, focus. Jean 1er, verset 17. Jean 1er, verset 17. Qui ça dit? Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Josué et peuple là t'es doué entreprendre Canaan par toute la loi de Moïse. Mais il faut appliquer toute la loi de Moïse pour arriver à entreprendre dans le territoire ça. Il faut être fidèle pour ne pas détourner ni à gauche ni à droite de yon de la loi de Moïse pour arriver entreprendre le territoire ça. Le pays des Hittiens. Je dis, en tant qu'Église, qui ça nous besoin pour nous entreprendre? Et qui ça nous pour nous entreprendre? C'est la nouvelle Jérusalem. Et qui ça nous besoin? La grâce et la vérité. La grâce et la vérité et la vérité. La loi de la vérité, la loi de la grâce. Et c'est loi de la grâce, la loi de la vérité. Hein? La loi de la foi, la loi de la liberté, il y a le bon ça aussi. Nous avons besoin pour notre prendre ça que nous avons besoin. Maintenant, qui différence qui est entre deux bagages? Nous avons différence entre deux. Alliance ça de loi ça. Gayou doit entreprendre là-dedans de manière physique, c'est-à-dire littérale. Gon l'autre doit entreprendre là-dedans de manière spirituelle. Et c'est ça qu'il pas qu'à comprendre. Changer les paroles ça écrit, il parle de la porte qu'on gagne Nouveau Testament. Nous-mêmes nous pas qu'on gagne accès à bon Dieu. Tout est littéral ici, physique pour Israël. Pendant ce temps pour l'Église, il parle spirituel. Qui ça dit dans Matthieu 11, 12? Depuis sur le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devons entreprendre le royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem. Et pour cela, il faut une violence pour nous entreprendre, pour nous parler du royaume.
Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et dès lors, des gens usent de violence pour y entrer. Tu crois bien dit? Personne ne peut entrer dans le royaume s'il n'est pas né d'eau et d'esprit. Est-ce qu'il y a pour entreprendre un bagage physique? Est-ce qu'il y a une promesse physique Israël pour nous dire pour nous le physique tout? Non. Remarquez, Josué, avec peuple Israël là, pour entreprendre Canaan, le pays des Hittiens, littéralement, physiquement, pour être capable d'arriver à entreprendre territoire ça, yo, faut qu'ils soient fidèles avec toute la loi Moïse là. Si vous n'êtes pas fidèle avec toute la loi Moïse, vous n'êtes pas capable d'arriver à prendre territoire ça. Ça n'a rien à voir avec l'église. Ça n'a rien à voir avec bagaille physique. Ça n'a rien à voir avec bambouchet cap volant dans nom bon Dieu qui prend la Bible pour casser coumoun. Ça n'a rien à voir. On descend plus bas. Verset 8. C'est verset 8 là. Faux prophète Kenny Dolui l'a dormi l'histoire dit là Kenny Dolui l'histoire et puis on paquet de zombies dit amen là. Attendez qui ça le dit. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qui livre la loi elle parlait là la loi de Moïse. Est-ce qu'elle parlait des évangiles? Non, parce que 27 livres Nouveau Testament pas là. La palais des Pentateuques, les livres de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Toute loi où Moïse t'a écrit, c'est de lui qui a parlé. Pigal écarté des bouches. Médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, pour peuple arriver à entrer pour entreprendre territoire ça yo yo te une obligation impérative ou me dit obligation et puis me dit impérative encore et si me faire mettre obligation et puis me dit impérative encore hein yon ordre qui vient avec une obligation yon faut qu'on fait. You have to do it. Donc, pour yon entreprendre territoire sa yo, yon oblige méditer livre Moïse yo. Parce que puissance, capacité, pouvoir yon besoin pour yon capable de entreprendre territoire sa yo physiquement. Là, yon pas parlé de fatra la te pour vin riche, non? Monsieur, c'est pas comme si riche, c'est pas l'entreprendre, non? Ce n'est pas comme si je suis en train d'entreprendre son business, je suis en train d'ouvrir, Dieu dit oui pour qu'on ici. Non, ça n'a rien à voir. Entreprendre, c'est territoire, c'est terre, oui, si je suis en train d'entreprendre. C'est terre, oui. C'est un nid battre nation, météo de l'eau, prendre terre, oui. Et ça, je suis en train de faire, oui. Ça n'a pas gagné pour venir qui a mis millionnaire, mon cap fait business, cap fait entrepreneuriat, nègre mélange l'église avec business, ligue séminaire. Vous comprenez? On a la Bible mélange avec entrepreneuriat. Quand on a prêché à l'invite économiste, même côté à Bouvine, dit comment on le fait l'argent. Hey, c'est chargé. Vous comprenez? Hein? Bon, allez, mais c'est Jean qui a fixé de côté. Ou bien cela, ou bien Christ en même temps. Et je pense que vous choisissez entre deux. Si on prend Christ ou bien on prend l'argent, oui. Apocalypse, si vous avez la nourriture, cela nous est suffit. La nourriture, le vêtement, c'est bon. C'est qu'à approcher l'évangile à Potio. Il n'y a pas qu'à approcher le nom. Monsieur, ça qui est insatiable. Monsieur, ça qui va rendre contenté. Ou pensez que il n'y a pas qu'à approcher l'évangile à Potio. Bon, apôtre l'a dit, souguen, mangez pour manger avec la vous mettez, c'est bon. Monsieur, ça après de là. Là, j'ai dit, ma oubé, défi pour approcher l'évangile, ça. Vous l'évangile pour approcher. Il n'y a pas capable. Prends bien. Et ce livre de la loi ne se l'a pas de ta bouche, médite-le jour et nuit.
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le texte a dit du succès dans tes entreprises. Seigneur fait allusion, il fait référence avec territoire que le peuple Israël va le conquérir. Il pas parler d'entreprise dans ta business. Faux! C'est pas vrai. Josué 1er, verset 8 là, pas parler de business. Il pas parler de l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça visait directement, de manière littérale, les territoires que peuple Israël a gagné pour conquérir, pour prendre. Entreprendre, entreprise, son pas l'entrepreneur, son pas faire mon action pour le mener, pour arriver à conquérir le territoire. Ça. Et on conquérir le territoire, ça, c'est si vous agissez fidèlement devant la, selon toute la loi de Moïse. Mais pour arriver pour le territoire, ça, c'est la loi de Moïse pour appliquer, pour marcher de nuit, jouer nous, pour méditer, jouer nous. Et puis on va prendre quand on prend le territoire, ça, sans problème. Et là, j'en ai, et business, on t'a pas le fait. Je veux dire, c'est entrepreneur, c'est-à-dire, l'homme dit entrepreneur, ça dit entrepreneur, businessman. Lion ton entrepreneur en tant que conquérant. Entrepreneur conquérant des terres, des territoires, des pays, des autres nations. Mais ce n'est pas un entrepreneur, hein, entrepreneuriat dans le cadre des entreprises économiques, business, l'argent ou investissement. Non. C'est pas vrai, c'est faux. Ça dit oui, méditez le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui et Y ça important dans phrase ça Y ça garde le bois ouais Y ça son paquet de charge lié ouais Y ça sous jeter Y ça son problème lié sous sauter Y ça son problème sous pas citer Y ça dans son problème ouais monsieur le la palia il va même mettre Y là nous voyez Y là jeter il va mettre Y là non il est passé Y là c'est sans raison Y ça là. Ouais, on gagne les au paquet bagali. Les poules ou pas prendre en compte Y ça on te charge un problème verser à peine licencié. Pour agir fidèlement selon tout ce qui écrit. Maintenant quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui écrit. Y ça bambo chef faux prophète ça pas mettre accent sur lui. Méditez le jour et nuit. Qui t'a dit là, livre la loi, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Qui t'a dit, qui ça? Qui est écrit, dit tout ça qui est écrit dans le livre la loi. Pour agir selon tout ça qui est écrit dans le livre la loi. Maintenant, pourquoi faut agir fidèlement selon ce qui est écrit dans le livre la loi? Faut méditer jour et nuit. Maintenant, qui ça peuple a fait pour le faire? Pour méditer le livre la loi, toute la loi Moïse là. Jour et nuit, pour agir fidèlement selon le livre la loi de Moïse là, pour le capable de river, entreprendre territoire ça yo. Ou d'aller, on par contre, on par quatre pasteur bambouche, capable oui entreprendre territoire. Oui, entreprendre, Dieu dit, partout où tu mettras ton pied, c'est là que t'appartiendras. Nanani, nanana, entreprendre territoire. On va de faire comme même mettre titre, entreprendre territoire, bambouche. Ça n'a rien à voir avec bagaille physique. L'église n'a pas rien pour acte physique. Israël a pour entreprendre des territoires physiquement. L'église, son seul territoire, c'est le royaume. Depuis sur le temps des Jean-Baptiste jusqu'à présent, les hommes, hein, le royaume des cieux forcés, ce sont des violents qui s'en emparent. Hein? Matthieu 11, 12, Luc 16, 16. C'est le royaume, c'est la nouvelle terre nous pour entreprendre. Et pour entreprendre, c'est un territoire lié. Et ce n'est pas un territoire physique, c'est un territoire spirituel. Vous n'avez pas fait différence entre le territoire que l'Église a fait pour l'entreprendre, qui loi qu'elle a besoin, territoire Israël t'a entreprendre, qui loi elle t'a utilisé pour l'entreprendre. Israël t'a utilisé toute la loi de Moïse pour l'entreprendre, Canaan. Maintenant, l'Église qui est pour l'utiliser, la loi de l'Esprit de vie, Romains 8, 2, pour l'entreprendre, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, le royaume. Paul méditer le livre de la loi de l'esprit de vie, jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de l'esprit de vie, pour être capable d'entreprendre le royaume, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem.
Voilà, si je ne pas pratiquer la loi de Jésus-Christ, les commandements, Jean 14, si vous m'aimez garder mes commandements, Jean 14, 15, si je ne pas garder les commandements cruciaux, je ne suis pas capable d'entreprendre la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, le royaume. C'est que ça dit? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Par exemple, non, maintenant là, si vous lisez ça, vous dites tes entreprises, on a pensé c'est business. À m'ouvrir une entreprise de l'autre côté à la rue. On dit, oh, ça vient comme entreprise, une entreprise du riz, une entreprise voiture. Oui, c'est entreprise, oui. Ah, c'est bambou chez les lignes, c'est ça. Ils veulent dans l'autre cadre. Entreprise là, pas gagné pour avec business. Et là, vous êtes tombé, il tombe fort. Il tombe fort. Beaucoup d'alors, vous ça de vos intellectuels, il est entreprise. Dans tes entreprises, il dit, mais business, c'est la entreprise. Dans la vérité, si vous êtes arrêté à Haltaï, mais Donald Trump, il a fait un peu nous. Vous comprenez Bill Gates, next avez dit, vous avez l'église. Jeff Bezos, Elon Musk, next il a appliqué la loi Israël. Regardez, Elon Musk avec Jeff Bezos. On regarde Jeff Bezos qui est l'homme le plus riche. On regarde Elon Musk, c'est l'homme le plus riche. A dit, nous avons gourmé dans compétition l'homme le plus riche du monde. Est-ce qu'on comprend? Donc, en réalité, c'est monsieur Sayo qui a pratiqué toute la loi de Moïse. C'est ça que faux prophète l'a dit. On a si vous chercher monde qui agit fidèlement selon la loi, qui réussit dans l'entreprise, si vous avez prêté langage, faux prophète Kenny Dorvilis. Ça veut dire c'est Jeff Bezos, Elon Musk, hein? C'est Nexayo, c'est Mark Zuckerberg, hein? C'est Nexayo, c'est Bernard Arnault, patron Louis Vuitton, vous comprenez moi? C'est Gucci, c'est patron Prada, c'est patron, comment elle me dit, Gomakio, vous comprenez? Donc ça dit c'est Nexayo qui a bien mené, parce que vous comme c'est Donald Trump, vous comprenez moi? C'est Bill Gates, Nexayo a appliqué toute la loi de Moïse, regardez, j'en ai dit aux riches, j'en ai dit qui a contrôlé le monde. Parce que comme il a appliqué le livre de la loi, j'ai fidèlement selon le livre de la loi, tout ça qui est dans le livre de la loi, eh bien, il a eu succès dans l'entreprise, ça veut dire dans le business. Donc Nexayo, c'est Mounsayo, il a réussi dans le business, c'est Mounsayo qui est mon bon Dieu. On a gardé texte ça pour moi, dis-moi, est-ce qu'il faut pour faire ça, c'est affaire mondiale, la brûlée. Bible, ou même vivre le texte, vivre dans tout sens pour vous comprendre. Comprenez le texte, gardez le bois. Comprenez, gardez le bois. Donc, je prends, parce que vous parlez de business, les gars, fait. Magasin, ou à pouvoir. Magasin, rad, magasin, vêtements, magasin, manger. Est-ce que là, il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que Seigneur fait référence avec un magasin, avec un market, avec business, les gars, fait pour rentrer l'argent? Ça, il n'y a pas l'entreprise là. Qui entreprise, Josué, qui est devant pour le faire? Est-ce que ce n'est pas le territoire qui est entreprise là? Est-ce que ce n'est pas le pays des Éthiopiens qui prend possession qui est entreprise là? Est-ce que ça a un rapport? Hein? Est-ce que ça a un rapport avec bagay ça? Quel rapport? Il n'y a pas de rapport. Et ça, qu'elle n'a pas comprendre la parole. L'a pas comprendre la parole. Son problème lié, bien aimé. Son problème lié. L'a pas comprendre la parole. Son problème lié. Son problème lié. Son problème. Hein? Kounya va, là, souré le moun vin li sa pou, nèg vicieux, pasteur bamboche, pasteur remè l'argent yo, nèg magouye volé sa yo. Si yo vin li sa, y a pli le pouvoir, y a pli wa, oui, Seigneur dit, il faut appliquer la loi pour capable réussir dans l'entreprise. Ou est mon entreprise là, elle est tête chargée. Mais plongaya, c'est ça. Ou est-ce que tu fais ça là, c'est lui qui l'a gagné dans courir. Mais regardez quoi, petit bout de phrase là, on a couru. Parce que les ouais, entreprises, bambouchers, qui ont apporté bourré sur magasin rad, magasin voiture. Vous comprenez? Maquette. Ils ont apporté bourré sur magasin de construction. Vous comprenez? Ils ont apporté bourré sur gros business, cap vendre faire l'argent. Vous comprenez? Pour lui-même, là, c'est question l'argent. Les bourrés, entreprises, là, c'est l'argent. Tes entreprises, a dit l'argent, businessman. C'est ça, le gars, t'en là, oui. Depuis l'hiver, c'est sous ça, le temps, pour te comprendre. Parce que c'est maman, citoyen, servi. C'est un esprit, l'argent, son Dieu, l'argent, tout pensée, c'est l'argent, tout idée, c'est l'argent, c'est vicieux, lié. C'est ça qu'on essaie à faire l'argent. Il a besoin de la Bible, pas pour aller, pas bien la Bible pour sauver, ou bien la Bible pour réussir une entreprise, pour faire l'argent, pour riche. La Bible là, pour riche. Eh bien, bamboche, la Bible là, pour péter fiel. En vérité, il peut la péter fiel. La parole de Dieu. L'hypothèse de bagay. La mort, la vie. Soit le pété fiel ou, soit le bon la vie. Tout dépend de façon qu'on. Et ça, nous, où est la Bible? Les la Bible, non, mon bambouchet.
Yon moun ki Christ parele ki gon bib nan mel. Se moun ki pi dangereux au monde. Yon moun, m'ap répété encore. Yon moun wè gen bib nan mel ki son bamboche ki Christ parele. Son criminel, son équipe dangereux au monde. On doit faire très attention avec elle. Parce que là, nous avons tout droit dans la gêne. Et pas de rien à faire qu'à bon. Parce que son criminel, son bandit évangélique, son vétère évangélique selon Jean 10, verset 1er. Et ça, quand nous, Bible qui n'a mon nom, il y a des missions. Vous répondez à appel ou. Soit Bib qui n'a mon nom pété fiel ou, soit Bib qui n'a mon nom l'y sauvé ou. C'est soit Bib qui n'a mon nom maintenant dans la vie éternelle, c'est soit Bib qui n'a mon nom maintenant dans la GN. Loli, ça qui joli. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, oh content. C'est alors que tu réussis, qui ça? Qui ça, je ne sais pas le gars même. Territoire, ouel, prend. Dans qui ça, Dieu dit, ouel, réussir? Aide la ici, prend pays, ça, yo. Ou peuple Israël là. Entreprise, c'est qui ça? Possession de territoire. Là, il parlait d'entreprise, il parlait de possession des territoires, des pays des Étiens, des pays des nations, possession des territoires. C'est ce qu'elle sait, ça, quand tu es pour Israël, oui. Ou même l'or, l'inverse, là où est entreprise. Tout de suite, tu parles de dictionnaire là où est pour comprendre le verset. Et voilà, l'autre condition est là, je vois les entreprises, oui, c'est ouvrir un business, c'est magasin vêtements, magasin rad, magasin voiture, et puis vous n'avez tout chaud, vous dites alléluia. Mais sauf que vous avez un problème, vous avez piège, vous avez tout côté, vous avez cherché la loi Moïse, vous pouvez pas ici là. Mais si Jean faux prophète là, l'hiver, c'est à Jean l'explique là, c'est comme ça lié. Même faux prophète là, pourquoi je n'ai pas bon Dieu, non? Parce qu'on a dit, qui est-ce qui a pas appliqué toute la loi Moïse? Ah, si je comprends là, Donald Trump agit fidèlement selon toute la loi de Moïse. Jeff Bezos agit fidèlement selon toute la loi de Moïse. Bill Gates agit fidèlement selon toute la loi de Moïse. On a dit non. Expliquez-moi, parlez avec moi, mes amis, parlez avec moi. Hein? Parlez avec moi, m'entendez, mais comprenez. Faut-il parler avec moi? Hein? Monsieur Sayo agit fidèlement selon toute la loi de Moïse. Parce que le texte a dit, c'est alors que tu as du succès. Bon, même, c'est Elon Musk qui est l'homme le plus riche. Parce que le satanisme passe le baguette. Diable passe le baguette. Kouna yo doukoura pour agir fidèlement. Regardez les causes. Ouais, nous lève la Bible dans mon vacabon, dans mon bandit, la détruit mon avel. La Bible dans mon vacabon, dans mon bandit, la détruit ou avec Bible. La Bible, utiliser Bible pour le détruire. La Bible, utiliser Bible pour le rendre esclave, pour le rendre zombie. L'a utilisé Bible pour le faire suicider tête tout. L'a utilisé Bible pour le faire rendre riche. L'a utilisé Bible pour le faire rendre l'homme le plus riche au monde. OK. Nous avons cherché les snègues qui sont plus riches dans le monde. L'homme, je ne sais pas. Regardez-moi. L'homme le plus riche au monde. C'est ça? Ouais. Mon bijou a le petit bail ça pour nous, mes amis, parce que. Au moins, na ouais. na ouais, nous pas nan, t'as dit? Moi, je vais le déposer, puis moi, parce que. Vraiment de l'on m'a soulevé toute la loi Moïse qui n'a même là pour moi si ma amie qu'elle joue ni ma riche. Hein? Vous comprenez moi? C'est un exercice qui est plus riche dans le monde là. Vous regardez moi qui est celui là. On allez. Nous allons regarder. Nous allons commencer à citer un qui est plus riche. Ok? Nous allons commencer à citer. Vous comprenez moi? Numéro 1. Numéro 1, numéro 2. Nous allons sortir là. On allez là. Fortune nette,
215 milliards, 215,1 milliards de dollars. Ça, c'est patron Louis Vuitton. Bernard Arnault. Monsieur a 74 ans. Monsieur habite à Paris. Monsieur a 215,1 milliards de dollars. OK? Moi, dans tête classement. OK? Donc, dis-moi, Bernard Arnault, gros sataniste, est-ce que ce livre-là, loi, Moïse, là, comme faux prophète Kenny Dorilla, la tête sous que ça a dit, est-ce que ce livre-là, loi de Moïse, qui fait le 215,1 milliards de dollars? Est-ce que ça a un rapport pour loi de verser ça là? Ça veut dire, next, ça y a pas contre mon Dieu? Il a appliqué toute la loi de Moïse ici dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise Bernard Noah a un rapport avec verset 8 là? Qui rapport? Est-ce que José c'est business c'est ta bonne? Qui ça José ta bonne? Comme José c'est Moïse lui remplacé, qui ça Moïse ta bonne dans le désert qui fait nous penser, les textes a dit tu réussis dans tes entreprises, ça a un rapport avec business. Ça a un rapport avec l'argent. Eh bien, dans le cas, ça c'est Bernard Noah, oui. Qui applique toute la loi de Moïse. Qui est encore deuxième? Elon Musk. 200,2 milliards de dollars. Hein? Mais j'habite aux États-Unis, j'ai 51 ans. J'habite à Austin, Texas. Hein? En descendant, qui est encore au nous? Jeff Bezos. Hein? Patron Amazon, non. 143,3 milliards de dollars. J'ai 59 ans là, vive à Medina, Washington, aux États-Unis. Nexa, est-ce que c'est le livre de la loi Moïse a eu pratiqué? Là, il dit, tu réussis dans toutes tes entreprises. Il a dit, monsieur, Nexa, tu as tellement pratiqué toute la loi de Moïse, il a réussi dans l'entreprise. Yo. Parce que les versets a dit, entreprise, ça a un rapport avec business. Maison, voiture, maquette, restaurant, l'hôpital, hein, clinique. Le visage, bah, qui pour rentrer l'argent, c'est ça. Et ça, qui a dit, foutre couché. Insatiable derrière l'argent, et puis on prend Bible comme magiment. On descend Bible pour nous qui est encore. Larry Ellison, Ellison, Larry Ellison, hein? Fortune 132,2 milliards de dollars. Il a 78 ans. La vive à Hawaï, toujours aux États-Unis. En fait, il a Hawaï là, nous connaissons ça. Hein? On pense, c'est qui maintenant? Bill Gates, 114 milliards de dollars. 67 ans. Medina, monsieur, ça vive toujours aux États-Unis. Anna, Warren Buffett. 111,9 milliards de dollars. Dis-moi, est-ce que c'est la loi de Moïse que monsieur Damsa a appliqué qui fait riche? Est-ce que c'est vite à mon Dieu? Un sataniste passé au baguette. Criminel passé au baguette. Anderson Libanon. Septième. Larry Page. Larry Page. 104,3 milliards de dollars. 50 ans. À 50 ans, on a gagné toute l'argent. Hein? La vie à Palo Alto, Californie. Monsieur vivant aux États-Unis en Californie. En décembre, 8e. Steve Ballmer. Steve Ballmer, lui-même, il gagne 100,9 milliards de dollars. Est-ce que c'est la loi de Moïse qui est entreprendre qui fait gagner toute l'argent? Et ça vite à Dieu, il gagne toute la loi de Moïse dans mes yeux. Parce que c'est un exemple à nous, quand on a dit à faire Jabir à régler. 9e, Sergio Brin, 99,1 milliards de dollars, 50 ans toujours. Monsieur Californie la vive. Ville de la ville qui est milliardaire net. Ou que Carlos Slim Elou, 95,7 milliards de dollars. Un homme qui est plus riche dans la cité là. Hein? Mouvez sous combien? Sous combien? Mouvez sous 10. 10 milliards de nègres qui sont plus riches en monde. Bon, il y a toujours eu, bon, comme si ça m'a analysé son liste, tapé peut-être son ancien liste ou bien son nouveau liste, mais même pas quelqu'un homme qui gagne comme sur en bas planète là. Bon, quelqu'un homme qui gagne mon nom de planète, qui gagne comme dans de planète. On a un gars de verset, mes versets devant nous, mes amis, un gars de verset, mes amis. Aidez moi les versets, aidez moi comprendre verset à vous. On a demandé, pourquoi fait que les têtes que nous devons ça, expliquez-moi verset, je sais pas verset 8. Que
Car ce livre de la loi ne se lorgne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, ça veut dire tout ce qui est écrit dans la loi, car c'est alors que tu auras du succès dans quoi? Dans tes entreprises. Quelle entreprise? C'est alors que tu réussiras. Est-ce que notre texte, entreprise, c'est business, c'est magasin? Il y a entreprise que Josué te gagne devant. Il y a entreprise Moïse, puisque Josué remplaçait Moïse. Moïse qui entreprise qu'elle te gagne pas, peuple al te gagne pour te dire je vais canan pour aller pour un paquet de thé. Moïse est gombi, qui vêtement, qui magasin Moïse te gagne là? Moïse est gombi magasin business, on bi magasin vêtement, on maquette. Qui ça Moïse tape vendre même? Parce que Dieu parlait d'entreprise. Mais qui c'est ça qu'entreprise? Dans le texte là, on voit le dictionnaire là où ça pour comprendre l'entreprise dans le texte, dans Jésus 1er. Il y a un qui prêche avec dictionnaire là où c'est dans le même. Démagogie, j'ai beau assez. Dès que vous pasteur, la prêche, vous voyez dictionnaire là où c'est dans le prêche, vous l'avez expliqué, on ne moule pas, on peut nous mettre en tête sous qu'il est en tête en balai. Oh, il y a plein de directeurs dans la GN. Oh, mais il passe un bon chef, que Dieu parle. On va dire, c'est dictionnaire là où si on prend pour comprendre le mot dans la Bible. Pendant que c'est un dictionnaire là où la où c'est pas expliquer mot qui dans la Bible. Parce que mot qui dans la Bible, c'est le langage de Dieu. C'est pas le langage de l'homme. Texte a dit entreprise, ça va gagner pour avec business. Bon, mon petit bout de bio, mon petit bac servatrice, mon petit bac piro. Non, mais je vais regarder la Saint-Malène. Hein? Mbral gade ou ba la Saint-Malène, bon, on a dit verset mbralé. Tête chargée. On retourne verset 3 et verset 4. On retourne la Saint-Malène. On gade verset 3 et verset 4 là pour nous. On gade ça, c'est ça là. On nous gade verset 3 et 4. On nous gade là, verset 3 et 4. On a le gade verset 3 et 4. Qui ça dit? Tout lieu que tu fouleras, tout lieu que foulera la plante de votre pied, Josué. Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Mais entreprise, des entreprises en a parlé là, oui, entreprise, voilà, entreprise là, oui. Ça, ça a des causes ici. M'de hadou ça, de quoi crispare les nègres là. La Bible pour les gorgeaux. De quoi crispare les nègres là. Puis utilise la Bible là, rend nous zombies. La rend nous esclaves. La pour suicider tête. La pour voler à faire moun. La gorgeaux. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. C'est ça, yo, Josué, pour l'entreprendre là. C'est ça, yo, Josué, pour le prendre. Mais pour Josué, il faut appliquer toute la loi de Moïse à la lettre. Et puis c'est citoyen en dou la Bible pas sauver mon la Bible pas la pour nous sauver la Bible là pour rendre nous riche. C'est monde qui débile là. J'ai des bon débile mental son tête chargée mon débile mental. Vous comprenez mon couillon mon garé. Mon a perdu tête li. Il perd tête li oui, il perd tête li. On a question que je pose dans texte nous va fini. Faut qu'on connaît qui ça l'a pas entreprendre là? Ou gata ouè qui ça l'a pas entreprendre? Ce sont des territoires. Est-ce que entreprise là, c'est business? Non. Entreprise là, vle dit possession. Hein, dans tes entreprises, dans tes possessions. Dans tes possessions. Et comment dire? Dans tes conquêtes. Ou ka remplace le mot entreprise par possession, par conquête. OK? Conquête. Conquête. Ou ka remplace le mot entreprise par possession, par conquête. Ça pas gagné pour louer avec business, ça pas gagné pour louer avec entreprise littéralement. Non monsieur, nous fait erreur, nous fait grosse erreur, c'est pas ça parole l'a dit. Li pas dit ça, li pas dit ça, li pas dit ça. Li pas dit ça. Li pas dit ça. Li pas dit ça. Nous parlons de quelques en dernier texte qu'on capable terminer. Ah oui, nous parlons de texte qu'on capable méditer. OK.
Ah, il est bien connu, oui. Il est bien connu, les dieux parlent d'entreprise. Il est bien connu, l'entreprise qui ça, oui. Ou est-ce que mon agagis, mon verset là, il crase ou avec verset? Il prend verset, il va comprendre bien et il tout finit avant. Il tout finit avant avec verset, oui. Parce que sinon, il va me comprendre verset, non? Il tout finit avant. Il tout finit avant. Il charge. Bio grave, famille. Bio grave, bio grave. Bio grave. Très grave, s'il vous plaît. Très grave. Égal. Égal. On descend plus bas, non? On descend plus bas, parce que c'est avec mes plus bas. Verset 8, verset 9. On a les, verset 9. Regardez ce qu'on a connu. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, Josué. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendra. Et nous parlons qui ça va l'entreprendre là. Dans tout ce que tu conqueras, dans tout ce que tu entreras en possession, tout ce que tu posséderas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. On a l'entreprendre. On a regardé pour nous. Il va l'entreprendre. Parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir. Mais la parole. Où est-ce que m'a dit conquérir? M'a même verbe là, non? Même ouais conquérir à la dans le non 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 tout puis ça me dit là on va remplacer mon entreprise par conquête et ça me dit là bon mais là oui mais l'écrit là non 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 me contente ça mais bon souligner le tout petit mot entreprendre conquérir. Prendre en possession, récupérer, restituer, prendre. Tout ça concernant les synonymes mot entreprise dans verset 8 là. Mais Josué l'a gueule dans sac moi là. Mais sans pile Josué. Parce que ou utilisez le mot qui m'a répété à sa bonne comme moi dans verset A. Attendez, oui. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Donc, ça veut dire, réussir dans qui ça? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussis dans qui ça? Dans tes conquêtes. Dans les pays que tu vas prendre en possession. Mais c'est clair, oui, mes amis. Bon, pourquoi tout ça pour nous comprendre? Josué dit, qu'est-ce que verset 11 là, oui? L'homme t'a bien interprété Josué verset 1, Josué 1, verset 8 là, bon, pour vous là, l'on va attraper. Qu'est-ce que verset 11 là? Pas oublier, souligner conquête là-dedans, souligner conquérir. Mais on m'a souligné spécialement entreprise, tout côté ouais, entreprise souligner, tout côté ouais, réussi souligner. Tout côté souligné là, pas ballon, t'y couler à pas l'orieux, souligné ou elle direct. Tout côté ou est conquérir, souligné, ou est territoire, souligné, ou est pays, souligné, ou est possession, souligné, pour que tête souke ça, ou tête fêle, tête pété ça, ou capable de comprendre que Josué 1er 8 pas parler de business, li pas parler de market, d'entreprise, ne kap pou kasse kou moun, kap volo fè moun pou kap fè l'argent. Qui prend la Bible pour vendre tout bail, vendre tout verset biblique, vendre la parole, vendre louange, vendre tout ça, vendre. Nèg yo vendre louange, yo vendre la parole, yo vendre la prière, yo vendre l'enseignement, yo vendre pas un bagage nèg ça ou pas vendre. Dernièrement là m'a gagné un bail là, ouais, faut pas ça que les Daily Benson marchand d'adoration, moi elle met un paquet de petits bracelets, elle mettait moi son champion et puis il vend petit bracelet au 1000 goud. Hein? Nèg a posé petit bracelet rose, même petit bracelet pour acheter ca oui. Petit bracelet au 1000 goud. Mais on vole comme ça, on vient bracelet citoyen, moi son champion, et puis bamboche avant les 1000 gouttes. 1000 gouttes pour vieux bracelet, moi son champion, oui. Par contre, qui ça pour nous faire vieux bracelet citoyen? 1000 gouttes. C'est-à-dire que ça, tout est volé, oui. Tout est cassé de poche.
Vagabond, bandit évangélique, il n'y a pas l'autre bagaille. On allait. Josué dit aux Rubénites, aux gars, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous ce que je vous a prescrit Moïse. Pabli, il va le conquérir selon, dans et par la loi de Moïse. Donc, il faut rappeler où ça la loi de Moïse a dit. Serviteur de l'Éternel. Quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous accordera du repos et vous a donné ce pays. En allez. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en âme devant vos frères et vous les aiderez. Hein? Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession, hein? En possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté du Jourdain vers le soleil levant. C'est-à-dire, tout à l'heure, il va entreprendre tes entreprises. C'est conquête, oui. Conquête, oui. Conquête, oui. Et on doit remplacer mot entreprise par conquête dans Josué 1er verset 8 là. Vous voyez que les citoyens, ce n'est pas rien. Par contre, ça l'a dit. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi comme il a été à Moïse. Il n'y a pas mal de Josué rien. Josué n'a pas obéi ou n'a tout bagaille. Tout ça ne fait pour Moïse, n'a fait au bout. Mais seulement Josué n'a pas dit, battre pour l'Éternel avant même j'étais à Moïse. Là. Parce que seulement ça nous besoin. Battre pour Dieu. On a dit, les serviteurs de Dieu, servante de Dieu. On a pensé, serviteur, n'a pas suivi tout ça, le Seigneur, d'où dit nous fait. Mais tant pis, battre pour porter mon Dieu, serviteur. Battre pour plaire à mon Dieu pour nous. Battre pour plaire à mon Dieu. Hein? C'est ça, monsieur, il dit là. Et nous allons finir là. Il dit, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commandes sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Et ça, monsieur, dit Josué. Est-ce que tu as entré? Est-ce que c'est entreprise avec Bissi Josué? Monsieur, ça vous dit à une bouteille par yoa. Est-ce que c'est entreprise que tu as fait? Est-ce que c'est une marquette que tu as fait? Monsieur, a dit, a dit, Dimitri Bissala, tribu Sala, yo te fait une marquette. Vous comprenez? Quelque entreprise de construction, quelque bric-à-brac. Tu vas voir, monsieur, me dis que nous, là, même les business par nous, qu'on veut là, pour te manœuvre nous. On a aidé les gens pour qu'on va bien faire le business par nous. Chaque monde qui a un business, moi, bon diri, qu'il y a un bon poids ou même. Il n'y a pas de problème. Il y a un monsieur qui dit on commerce business. Il dit les serviteurs qui ont un commerce là. Il y a un peu tout le monde. L'église là, chaque monde a un travail pour être capable. Et selon le texte, chaque monde a une entreprise. Chaque monde a un business. Le business dit oui. Le business sandales. Le business maillot, vêtements. Le business vélo, bike. Chaque monde a un travail. Il y a un texte littéral. Il dit entreprise ici. C'est entreprise businessman. Parce que il n'y a pas parlé de businessman. C'est entreprise là, c'est entreprendre. C'est conquête. Conquérant. Il y a conquête, il y a conquéri. Et qui a conquéri? Il y a conseil des territoires. Il doit pour y entrer dans le territoire. Ça, le citoyen, monsieur, vous ne comprenez pas ça. Vous ne pas comprendre ça. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut mettre tout le monde ça au dehors pour te prendre le territoire. C'est ça pour vous dire. Il n'y a pas de faire l'autre bagage, puisque vous venez pour venir prendre le territoire. Dieu baille. On a ça que Dieu dit. Il faut appliquer le livre, la loi pour être capable de river, conquérir. Territoire sa yo. Si yo pa rive, yo pa rive applique la loi Moïse la, Jean l'écrit pour yo capable entreprendre territoire sa yo, parce que sans yo pa applique la loi Moïse, yo pa ka entreprendre. Hein? Yo pa ka entreprendre territoire sa yo. Non, c'est pas vrai, yo pa capable. Yo après été bloqué, yo pa capable prendre territoire sa yo. Ya qu'elle va entreprendre territoire sa yo, Dieu prend la connaître faveur yo capable entrer prendre territoire ça. Donc citoyen ça va prendre Josué 1er verset 8 là pour et bambocher faire affaire par lui. Hein? Donc c'est affaire par la prière. On nous lit dernier texte ça, dernier partie ça pour nous capable et séparer avec nous. Nous parlons dans chapitre 23 même livre là Josué chapitre 23. N'a pas lu une partie là-dedans. Et on nous garder ça.
Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël, en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Okay? Alors, Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges, ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Le verset 3, vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, parce qu'il a déjà fait écraser toute nation et entreprendre. Car l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous, parce qu'il a pris la loi pour ça, voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain. Et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, puisque c'est tout territoire, ça dit, hein? L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Parce qu'il faut entreprendre tout ça pour vous conquérir tout. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. OK? Il dit, ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point, ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister parce que vous pratiquez la loi de Moïse. Donc, c'est ça, vous devez entreprendre là. Ça n'a pas rien pour avec démagogie, tête pété, abdi, tête souké, abdi. Ça n'a rien à voir, mes bien-aimés, ça n'a rien à voir. A rien à voir. Donc, c'est pour entreprendre territoire, c'est s'allier. Pas de gon l'autre bagaille contre de monde on a vinn converser oui ça c'est pour riche, c'est pour capable gagner l'argent ça pas gagner pour avec l'évangile ça pas gagner pour avec bagaille mais vous parlez de territoire là vous parlez de l'argent de du peuple là de riche c'est pas vrai c'est menti chaque fois plus Jésus premier verset 8 l'arrivée dans tes entreprises remplacer entreprise par conquête on a dit dans tes conquêtes tu réussiras dans tes conquêtes et dans le texte, il y a d'où qui sont prêts à le conquérir. C'est des terres, des territoires. C'est pas gagner l'argent, ça va gagner pour avec l'argent, ça va gagner pour avec business. C'est faux. C'est faux. Vieux faux prophète, ça, il mène. Au départ, il pas fait bon Dieu. Après, bon Dieu, il est où? Il est difficile de faire bon Dieu. Bon Dieu bénit tout le monde, nous campons la soirée. Maman en pile. Et Seigneur qui a tout pouvoir capable de bénir tout le monde. En nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons vivre pour terminer. On dit, moi-même, nous en pile. Nous condamnons pour moi-même. Amen. Et nous te bénis dans mon moment ça. Gloire à Dieu.